Hector. Tu peux disposer, je me charge du reste. Retirez votre bandeau. Oh, mademoiselle. Sophie, Sophie Lima. C'est très beau ça, Sophie. Vous seriez où je pourrais charger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Je crois qu'il est cassé. Elle a du caractère. Moi c'est Stéphane, Stéphane Glaxstone. On va pas y aller par quatre chemins, Stéphane. Nous pensons que vous êtes déjà de mèche avec Pierre, et que vous êtes contre nous. Mais comme nous ne sommes pas sûrs, dans le doute on va faire comme si de rien n'était. L'homme que vous avez rencontré n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Gamma Lucini. Il travaille pour une organisation secrète appelée La Feuille. Le but de La Feuille est de repousser les limites du cerveau humain, au-delà du possible. Gamma est l'un des sujets qui a survécu à l'expérience. Ce qui est plutôt rare en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « repousser les limites du cerveau » ? Comme vous le savez sûrement, l'être humain ne se sert que de 10% de ses capacités cérébrales. Le but de La Feuille est de tenter d'exploiter quelque chose parmi les 90% restants. Oui, alors ça, c'est une rumeur, hein. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un biologiste italien qui a voulu faire des expériences sur des rats, et en coupant des petits morceaux de cerveau, il a... Vous tenez super bien le flingue, hein. Ça inspire. Merci, mais il s'agit d'une affaire sérieuse, monsieur Glaxstone. La Feuille a un ennemi, le puits. Et le passe-temps préféré du puits est de venir voler nos technologies et de les utiliser dans le but de créer une race de super soldats pour dominer le monde. Bon. Nous, gentils. Le puits, méchant. D'accord. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, au juste ? Suivez Gamma afin d'obtenir un maximum d'informations sur son pouvoir, puis transmettez-les-nous dès que possible. Je vous comprends bien, juste un petit truc qui me chiffonne. Vraiment trois fois rien ? Ouais, pourquoi je ferais ça ? Le salut de l'humanité ? J'en ai rien à foutre de l'humanité. Ne perdons pas de temps. Quel est votre prix ? J'avais pensé à un truc comme... Tête. Allô, ça va ? Sophie se doute de quelque chose, mais je crois pas que Gamma soit au courant. Il est en retard. Il viendra. Ouais, bof. Et ta mémoire, ça avance ? Un petit peu, comme ça. Je me souviens que je faisais partie d'un truc énorme, mais quoi ? Je vais te raconter. Le puits, ça te dit quelque chose ? Ah oui, c'est le... Non. Bon, toi et moi, on est dans une organisation secrète appelée La Feuille. Face à nous, nous avons une organisation ennemie appelée Le Puits. Et leur but, c'est de... Dominer le monde. C'est ça. Ouais, putain, ça y est, je me souviens, là. Je me souviens, oui. C'est les scientifiques complètement barges, oui, qui te mettent un casque sur la tête. Et je me souviens, ouais, t'as 9 chances sur 10 de mourir, et une chance sur 10 de... Pas mal, tu as un bon début. Ouais, négro. La Feuille organise un raid aujourd'hui. Ouais. On se demandait si toi et Stéphane, vous pourriez peut-être aller là-bas... Pour casser des trucs, piquer des choses... Les ralentir, les nuire, quoi. Moi, je veux bien faire ça, ouais. C'est vrai ? Ouais, sans problème. Tu vas voir, le puits, on va leur faire une petite visite. On va leur passer dessus par la porte de derrière, on va rentrer, on va ressortir. Hey, salut ! Vous parliez de... D'infiltration. J'avais compris. Bon, et toi, ça s'est passé comment ? Pas mal. Elle m'a même refilé du Viagra. Ce ne sont pas des tic-tacs, ça. Non, je les ferais bien analyser si j'en avais les moyens. Ouais, bah tiens, à propos, là. Comme tu t'es fait payer, ça dirait de nous aider pour un truc ? Ça dépend, c'est pourquoi. Un raid pour sauver l'humanité. C'est la deuxième fois qu'on me l'a fait aujourd'hui. Non, mais attends, je rigole pas, hein. Gamma va attaquer le puits. Et est-ce que Gamma sait où se trouve le puits et à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Non, je... Non, je m'en souviens plus, j'en sais rien, voilà. Ça va, je te juge pas. Mais attends, c'est aujourd'hui le raid ? Oui, aujourd'hui. Mais faut s'équiper pour ça ? T'inquiète, au QG.
Pierre! Sarah, c'est sympa, c'est ici, dis donc. Gamma? Enchanté. Sarah? Hop, hop, hop. Sarah, je te présente Stéphane, notre nouveau coéquipier. Enchanté. Gamma est de retour parmi nous, il veut attaquer le puits. Bah, c'est cool ça, tu nous avais drôlement inquiété. Je peux te parler de 30 secondes? Oui, bien sûr, viens. Mais qui c'est qui est? Je suis où là? Qui c'est ce bordel? Je reconnais plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Du calme. Respire un bon coup, c'est pas grave, je vais tout expliquer. Okay. D'accord? Donc, ça va aller, hein? Allez. Il s'est passé quelque chose? Hein? Non. Ça va, toi? Bon, Sarah, n'en veux pas à Gamma, il y a encore quelques plans. Ah, ce n'est pas grave, ça. Bon, je vais faire les présentations. Donc, voici Sarah Verdez, spécialisée donc en logistique et en communication. S'il y a un problème sur le terrain, tu l'appelles, d'accord? Moi, je suis Pierre Cooper, chargé des ressources humaines et de la section psychologie. Donc, les effectifs, je gère. Et je suis aussi le directeur du PIE de la feuille. Et toi, t'es Lucid League Gamma. Et tu es expert en infiltration et en opérations secrètes. Tu es sur le terrain. Ça marche. Et moi, c'est Stéphane. Notre mercenaire, tu sais qu'il a été engagé aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est ton coéquipier. Ok. Ben vous allez tout déchirer, vous. Bon, le but de votre mission, c'est de voler un des casques comme celui-ci. C'est ça justement qui rend le puits si dangereux. Vous y allez, vous le prenez et vous repartez. Eh, mec, je te parie que... Mais merde, c'est un klebs, cours! C'est comme un camp militaire. C'est pas fait avec un seul bâtiment, mais plusieurs bâtiments dispersés. Ah ! La chance que vous avez, c'est qu'il y a des tunnels souterrains qui relient chaque bâtiment. Donc, vous devez passer par la chaufferie, parce que c'est là que c'est le moins gardé, puis passer par les tunnels pour passer directement là où se trouve le casque. Et là, j'arrive au bar, et la serveuse, putain, elle a un sécu, foiré ! Ah ouais, tiens aussi, il est pas mal, putain. Et ne jouez pas au héros, parce que c'est dangereux. Des questions? Oui, j'en ai deux. Pourquoi on n'a pas d'armes? J'ai une prime.